この世に邪悪がはびこるとき、必ずや現れるという希望の闘士。その昔、常に戦いの女神アテナの周りを守る少年たちがいた。彼らはアテナのセイントと呼ばれ、己の肉体だけを武器として戦った。その剣は空を引き裂き、その蹴りは大地を割ったという。そして今、真の勇気と力を持った少年たちが、新たなセイントとして蘇った。君は、コスモを感じたことがあるか？Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Saint Seiya Legend of Cosmo. Par contre, on va enlever le chant. Désolé, je n'ai pas le choix. C'est l'opening. C'est l'un des openings de la licence. Impossible. Du coup, c'est une bêta fermée, les amis. C'est une bêta fermée. Vous pouvez bien sûr vous préinscrire à cette bêta fermée depuis. Le Play Store et cette bêta fermée n'est disponible que pour le moment sur le Play Store. On teste le jeu, on va voir ce qu'il donne. Mais juste pour vous dire que le jeu est déjà sorti en Chine et que c'est un jeu un peu à l'AFK Arena Idol ou c'est de l'AFK Farming. Ne vous attendez pas à une qualité incroyable, mais c'est quand même assez beau dans l'ensemble par rapport au jeu AFK Idol qu'on a eu auparavant, que ce soit AFK Arena, que ce soit Mythic Heroes, que ce soit, je sais pas moi, One Punch Man, Retour Hero, etc., etc. Il y a eu énormément de jeux qui sont sortis dans ce style-là et vous allez avoir un peu dans le même style. Point positif du jeu, c'est qu'il est en français et de ce que j'ai entendu pour ce jeu, c'est que les gens qui mettront de l'argent sur cette bêta recevront le double lors de la sortie. Le jeu sortira officiellement en juillet. Je n'ai pas, on m'a pas dit la date, mais le jeu sortira bel et bien en juillet. Sur ce, on va découvrir un peu ce jeu. Il y aura un système de serveur. C'est parti. J'ai tellement envie de mettre la musique. Vas-y, c'est pas grave, je la mets. Quitte à ne pas être monétisé. Voilà, il court comme dans Naruto, il court comme des ninjas. Par contre, les pas, ils sont super rapides. Le système de rareté, c'est un système d'étoiles. Du coup, ça va de 3 à 5 étoiles. Les différentes raretés vont de 3 à 5 étoiles, si je dis pas de bêtises. Il y a un système d'éveil qui va jusqu'à 6 étoiles. Si je ne me trompe pas, dans tout cas, on découvre. Dans tout cas, là, on découvre. J'ai vu une ou deux vidéos du gameplay, mais je suis pas allé voir plus que ça. Parce que j'aime découvrir par moi-même. Ok, là, on forme notre team de cette manière-là. Ok. Par contre, le blaze, ouais, faudra y remédier, hein. Je vous donnerai mon avis à la fin. Hein. Réellement, je vous donnerai mon avis à la fin de la vidéo. Du coup, les 3-4 dernières minutes, faudra les écouter. Par rapport à l'avis de ce jeu. Petit pouce bleu pour les nouveaux arrivants et abonnez-vous, ça me ferait plaisir. Pour me soutenir et pour être mieux référencé sur mes vidéos, ça me ferait plaisir. Ok, bon. Pour le moment, je dirais que le défaut que je pourrais relever, c'est que les voix, je sais pas si on peut les changer, mais pour le moment, les voix sont moins fortes que la musique du jeu. Et je trouve ça dommage.
Là, on va l'améliorer. Par contre, graphiquement, le design des personnages est bien réussi. La voix n'est pas, les voix ne sont pas ratées. Dans le sens où, où normalement, parfois, on remarque quand c'est de l'audio bâclé et tout. Là, les voix sont bien réussies. Il y a une bonne qualité d'audio et bon. Ouais, vraiment, très bien réussi. Ok. Bataille. Pour ceux qui ne le savent pas, les développeurs, ce sont des Chinois. Oh, par contre, un peu lent le gameplay. Ok, compétences défensives. On va skip tous les dialogues, on va les skip, sinon on va passer à 20 minutes de vidéo, on n'est pas là pour ça. Ok, on forme les fragments pour faire le perso. On améliore le perso. Académie, entraînement, sanctuaire. Je pense que ça sera dans sanctuaire où on pourra invoquer. Point positif, c'est qu'il y a deux bêta avant le lancement du jeu et ça c'est un bon point. Vraiment, les Japonais, il faut qu'ils prennent exemple sur les Chinois et les Coréens concernant les bêta. Hein. Ok. C'est dommage qu'on puisse pas faire une rota de caméra pour voir les persos de face et voir les compétences de face également. On peut pas basculer, non, on peut pas basculer la caméra. On a qu'un seul point de vue et c'est la caméra plongeante, c'est dommage. La musique du jeu elle est vraiment vraiment forte par rapport aux voix. Ils auraient dû faire attention sur ça. Je comprends pas que ce jeu puisse autant marcher en Chine avec tous les jeux qu'ils ont sortis auparavant. Que ce soit des actions open world, des 3D, du tour par tour, du FPS, TPS. Je comprends pas comment ils ont pu faire autant d'argent et le sortir en global. Mais surtout le sortir en version française. On débloque un nouveau perso. On fait la même chose. On augmente. Monture. Disposition. Combattre en un clic. Ok. Du coup, c'est une composition de 4 joueurs. Ouais. On va essayer d'aller directement aux amok parce que là, on est déjà à 9 minutes de vidéo. J'ai remarqué qu'il y avait également un système de combinaison de spé. On va voir ce que ça va donner. Hein. Sur les persos 5 étoiles. Ce qui est dommage, c'est que là, je peux pas encore prendre le x2 parce que je le débloque au chapitre 2. Sanctuaire, observatoire. Ah, c'est là où on invoque. J'avais bien raison. Est-ce que c'est scripté? Wow, par contre, l'animation.
Donc chevalier. 3 étoiles, ok. Par contre, les animations sont vraiment très très bancales. Très très bancales, ouais. Bon, on va voir un peu ce que ça va donner plus tard. Hein. Aventure. Sais pas combien. On verra combien ça coûte une multi après. Entraînement. Ah, c'est pour le rank up en étoile, le break limit en étoile. Ok. Chevalier. Du coup, on le up. Ah, c'est une compo de 5 joueurs. De 5 persos. Alors, qu'est-ce qu'il va donner comme spé? Il stun les persos à l'arrière. Je dis pas de bêtises. Ok. J'ai l'impression qu'il n'y a pas réellement de stratégie, hein. Du coup, là, on va passer à lui. Ah non, il balance un Phoenix, autant pour moi. C'est pas lui qui a balancé l'attaque en se tenant la cible à l'arrière. Combinaison. Ok. Ok, pas mal. On découvre le système d'équipement. Ok, bon. Pour moi, je vous mens pas, le jeu n'est pas surprenant. On met juste ça comme il faut. Le jeu, pour moi, là, c'est vraiment très très bancal comme jeu. Illustration. Ouais, c'est vraiment un typical idle RPG. Hein. On récupère des trucs là, les diamants. Après, on va voir combien ça coûte une multi. Hein. Voilà, j'ai terminé. J'ai terminé les petits tutos. Là, on va arriver à la multi. On va voir ce que ça va donner. Ok, il y a une meilleure animation, je crois. Est-ce qu'il y a une meilleure animation ou pas? Oh, ouais, j'ai eu un truc. J'ai eu un légendaire. Un chevalier d'or, on va dire. Par contre. Ok, c'est lui. Nouveau chevalier. Ouais, c'est lui. Ouais, pour le moment les animations elles sont pas faux folles hein. Du coup ça coûte 300 pour une single et 2700 pour une multi. Ok, on va tester ce personnage. Non, ben non, on peut pas renvoyer. Ok. Je peux pas composer ma team là? Je peux. Ah oui, ben voilà, là on peut mettre de l'argent. Ok, cool. Du coup, chevalier.
Break limit, ok. Ok, niveau 20. Et on va faire. Aventure. Bataille. Ah non, c'est pas comme ça. Ok, bon, j'ai oublié comment composer la team. Au 2.3, on peut mettre le bot. Je pense qu'on va terminer sur ça. On va juste tester le perso là que j'ai eu. Pour une découverte, je reste un peu sceptique. Je reste vraiment sceptique parce que vraiment, je m'attendais à une meilleure découverte. Mission, aventure, inventaire. On gagne combien sur les unités? 5 étoiles. Ça aussi, ok, ben c'est pour tous les persos, c'est pareil, c'est identique. On va récupérer les autres après. Et combien on... Ah oui, disposition, c'est là, ok. Il frappe de loin, ok. En ligne def... enfin, en ligne arrière plutôt. On va voir ce qu'il donne. Oh, j'ai oublié de l'équiper. Ok, bon, voilà. Là, j'ai pu faire la team. Pas si j'aurai le temps, si dans le combat il pourra faire un truc. Là j'ai pas le temps. Ok, bon. Ok, j'espère que cette fois-ci j'aurai le temps. Je pense pas j'aurai le temps. Ils font trop de dégâts les persos free to play. Ok, pas mal ça se fait, hein. Très joli, hein. Très joli, mais bon. En vrai de vrai, il y a mieux comme jeu. Là, j'ai coupé et je suis passé directement à un autre mode de jeu, sinon j'allais jamais utiliser cet aspect. Ben voilà, ça sera tout pour cette vidéo qui a été un peu longue comme vidéo de découverte. J'espère qu'elle vous a plu. Sur ce, je vous dis ciao, à la prochaine, prenez bien soin de vous tout le monde, et peace, prenez bien soin de vous.